Oh là là. Je sens que je vais bien en baver, moi. Attends, déjà, je profite de la rouge juste pendant 2 minutes pour me dire que j'ai avancé, et puis après, on verra pour la bleue. Allez, passe la rouge, toi. Ça doit être après, non? Quand je. Attends, il faut peut-être que je fasse ça. Voilà. Et ensuite, je peux. Non. Faut que je la passe là. Faut que je me mette là. Tac, tac. Voilà, c'est ça. Je l'ai toujours, hein? Oui, je l'ai toujours, c'est bon. Et après, tu dis que j'ai besoin de la carte magnétique bleue, du coup. Ok. Mais ça prend. Ça prend la trompe de Golet pour avoir le bleu dans le désert de la feuille blanche. Si ça prend longtemps, on verra bien. Je suppose que je connais pas cette expression, la trompe de Golet. Ça ne me dit rien. Qu'est-ce qu'il y a ici caché? Ah, enfin! Et si je descends, ça remonte ou pas? Non, c'est bon. Faut que je désactive le système d'alarme, c'est ça? Ouais. Ça m'étonne pas parce que ce truc il m'avait fait chier tout à l'heure, j'ai pas pu passer. Alors. Ok. Attends, mais si j'avance là, je me fais. Je fais. Il passe par les souterrains pour passer sur le plancher avec le jetpack. Ah oui, le système. Ouais, ok. Ça y est, je me souviens. Oui, effectivement. Ok. Faut que je désactive. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je passe par les souterrains. Je vais désactiver le système d'alarme chez à la prison en fait. Et ensuite, j'utilise le protopack pour passer là sur le plancher qu'on avait qu'on a vu ici. Ok, je comprends. Ah, salut Alex Lyon. Allez, toi tu meurs, parce que j'aime pas les. Oh, quoi? Oh non! Je voulais tuer le serpent pour être tranquille et finalement c'est lui qui m'a tué, bravo! Genre pas de chance quoi. J'ai décidé que t'allais mourir, serpent, tu meurs. Bon écoute, non, tu meurs pas, je monte, allez. J'ai décidé que tu mourrais pas, tu mourras pas, tu meurs pas. Mais ne tombe pas! Je soutiens quand même que Twinsen n'est pas doué. Ou c'est moi. Bon, je pense plutôt que c'est moi, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui. On sort par où déjà là, si on sort par là? Parce que si je peux simplifier les choses et rester passer par l'extérieur, ça m'arrangerait. J'aime pas trop les. Ah, on arrive par là! Ouais, ça va, ça me va très bien. Hein. De toute façon, c'est pas un souci. Et le seul truc qu'il faut, c'est arriver ici. Donc c'est parfait. Ok, on va courir un petit peu. On va parler au monsieur là, parce que lui, quand on est habillé comme ça, il n'y a Je pas de m'intéresse souci. à l'histoire du pirate Le Borgne. Installe le passe de Frédéric Alors, allez, Rinal visitez le musée. pour désactiver Et, les au plonges fond, dans les ne murs. touchez pas au bouton d'alerte sur le mur. Ok. Je savais pas qu'il y avait un patch. Il va falloir que je le trouve du coup, ce patch. Je le chercherai dès que j'aurai fini. Là, pour l'instant, je continue. Je continue comme ça. Et si tu as le lien du patch, moi, ça m'arrange. Hein. Je C'est plus m'intéresse à facile l'histoire après du pour pirate moi. Le Borgne. Ça évite de chercher trop. Mais je chercherai après. Ah oui, Le Borgne, oui, je sais qu'ils ont quelque chose le concernant au musée. Ouais. Alex Lyon, t'arrives à suivre deux streams en même temps sans problème? Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais le musée est bien protégé. Je viens de relier ce bouton au système d'alarme. Dès que l'on appuie dessus, le bâtiment est évacué. Seul reste un ou deux gardes automatiques. Cela enclenche surtout une multitude de contacteurs sous le parquet qui donnent l'alarme dès qu'ils détectent le moindre poids. Il faudrait voler pour arriver à s'y déplacer. Voilà, ok. Donc du coup, il faut que j'appuie sur ce magnifique bouton. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait, monsieur. Allez, tiens. Pouf, pouf, meurs. Voilà. Et ensuite, tu m'as dit, donc du coup, je dois passer par les égouts.
Je passe par les égouts, ne te prends pas le mur. Parce que logiquement, si je passe par les égouts, ça va pas désactiver le truc. De toute façon, le mec est mort. Ah, moi, j'espère que ça l'a pas désactivé là, hein, quand même. J'espère vraiment, parce que sinon, je suis dans la merde. Je descends par là, oui. Et je. Qu'est-ce qui. What the. Magnifique bug. Avance. Ah. D'avancer sur les cailloux. Bon. C'est chacun ce qu'il veut. Hein. Allez, monte. Voilà. On est en mode infiltration, ça y est. On est en mode Solid Snake, là. Metal Gear Solid et tout. Ah, super. Merci pour le lien, Freeman. Alors, attends. Je vais mettre juste en pause. Et je vais copier le lien. Mais tu gardes le son que de l'autre stream. Donc comment t'as pu m'entendre dire que tu regardais deux streams? Ok, alors ouvrir le lien dans un nouvel onglet, ça va me l'ouvrir où? Non, je vais copier l'adresse du lien et puis je vais l'ouvrir dans un navigateur. Comme ça j'aurai le lien et je regarderai tout à l'heure. Je fais pas tout de suite de peur que après avec la sauvegarde tout ça. J'allais dire si j'allais te demander si ça allait poser un problème avec GOG.com, mais non, pas de soucis, parce que le jeu vient. Comme je l'ai pris chez GOG en fait le jeu. Mais apparemment il n'y a pas de souci, donc parfait, j'utiliserai. J'utiliserai comme ceci. Alors maintenant faut que je fasse gaffe. Je vais me mettre en mode jetpack. Je dois pouvoir monter les escaliers en jetpack. En mode infiltration de la mort. Enter. Je vais pas appuyer sur Enter de peur que il y ait un bug. Le drapeau. Ça c'est un drapeau qu'il nous faut ça. Tu viens de dérober un drapeau pirate. Ouais, on en avait besoin pour aller je sais plus comment s'appelle le truc de l'île des rebelles. Voilà. C'est à peu près ça comme. Sur le tapis, il y a pas de. OK. Est-ce que je tente d'aller jusqu'au bout? Bon, ça coûte rien, allez hop. Ok. Allez, je me mets à courir. Oula, il y a de la lune. Ah, oula, un gros aspirateur. Tac. Alors attends, d'abord. Logiquement, là, je suis pas sur un tapis. Il n'y a pas de bonbon, d'accord. Tac. Tac. Ok, donc je peux appuyer sur Enter sans souci pour replacer la caméra. La sirène. Laisse-moi de la place, la sirène, sinon après je suis... Voilà. Le drapeau, ça y est, c'est fait, je l'ai pris. Est-ce qu'il me voit, lui? Il me voit pas. Ne bouge pas. C'est bon. J'avais que le drapeau à prendre ou autre chose aussi? Je crois que ça suffisait le drapeau, mais bon. Je fais un tour pour voir si j'ai pas autre chose, on sait jamais. Au pire, si je meurs. Enfin, si je meurs, si je me fais emporter en prison. Ah, vous avez tous les deux stream qui plante. Non, donc ça vient vraiment de moi. Il y a autre chose à prendre, hein, ok. Alors sur l'iPad, si ça plante, je sais pas si c'est... Je vais voir ça. Ah mais non, j'ai... Tant pis. Je sais pas si c'est dû au fait que ce soit sur tablette. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais si vous me dites ça, je vais regarder. Il faudrait que je sache où on est. J'ai une tablette aussi. Elle a disparu? Non, elle est là, c'est bon. Ton débit est trop haut sur OBS. Allez, Sion, je veux bien que tu me prêtes ta co parce que tu as la fibre, je crois.
Et mon débit, il est pas trop haut parce que, en fait, il est pour te dire. Il... Alors, attends, peut-être je peux modifier en même temps. Il est à 525 kbps pour l'image, tu vois, et 96 kbps pour le son. Et c'est vraiment pas beaucoup. Ça plante un peu sur le PC, mais moi, écoute, je vais encore baisser, hein. Mais bon, ça va pas faire beaucoup. Après, vous allez avoir une vidéo, une image de merde après. C'est ça qui m'inquiète. Voilà, là, j'ai baissé. Alors, je sais pas si ça a fonctionné. J'ai baissé encore, mais ça va. Ouais, ça va pas me faire une super. Ça va pas vous faire une super vidéo, quoi. Hein. Ça va pas être super qualité. Ah, mais t'as la fibre aussi! Pff, vous êtes chanceux, les gars. Vraiment, vous êtes chanceux. Ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir la fibre. Bah, si j'avais la fibre, j'aurais pas ce problème-là. Voilà. J'aurais pas ce problème de devoir streamer en. Je sais même. J'ai mis 325 kbps du coup. Ah oui, au Québec, c'est. Est-ce que la fibre est meilleure au Québec qu'en France? Je sais pas. Mais déjà, ça a dû être beaucoup plus facile d'avoir la fibre au Québec. Elle est loin. Ah bon? Loin, c'est-à-dire que c'est pas une fibre qui vient directement chez toi, quoi. C'est une fibre qui vient dans ton quartier, en gros. Enfin, qui est partagée par tout le quartier. Bon, je sais qu'il y a un temps de latence de réponse, hein. Pas un souci. Donc j'ai rebaissé, je vais voir moi aussi pour voir si effectivement ça pose problème sur mon truc. Ah oui, faut que je coupe le son par contre parce que tac. Sinon ça ne sert à rien. L'image ne bouge pas. Alors est-ce que c'est parce que je ne bouge pas? Je ne sais pas. N'en ai aucune idée. J'ai bougé. Ah, elle est. Oui, ta fibre, ouais, effectivement, elle est au Canada, oui, c'est un peu long. Au Québec, elle est. Et oui, elle est en direct sur ta maison. Ah, ça, c'est bien ça, putain. La fibre disponible partout chez l'épicier. Fais voir l'image que tu as mise. Bravo! Oui, alors oui, effectivement, cette fibre-là, je pense qu'on en a pas mal aussi chez nous. Bon, effectivement, j'ai l'impression que ça plante sur ma tablette aussi, mais je suis pas sûr. Ouais, j'ai l'impression que ça plante sur la tablette. Bon, tant pis. Enfin, tant pis. Je vais pas regarder trop longtemps, sinon je vais pas jouer, donc. Allez, on reprend le jeu et puis je baisse, j'ai baissé déjà. Si ça plante encore, vous me dites et je rebaisse encore, mais après je peux plus trop baisser parce qu'après ça va vraiment être une qualité pourrie, c'est plus possible. Ah oui, bah, c'est sûr que là, ces fibres-là, ça fonctionne pas de la même manière, mais c'est sûr que, en tout cas, ça booste pas ta co, mais ça booste ton transit. Bon, sur cette magnifique parole, continuons de jouer. Je vais attendre que le robot soit passé. Est-ce que c'est le. Non, le panier, il n'y a rien à récupérer là-bas. Il faut que j'aille à droite, je pense. Attention, ne tombe pas sur le parquet, sinon je meurs. Le gouvernail, j'ai rien à récupérer. Un requin, ça va me servir à rien du tout. Encore un robot. Alex Lyon, si tu connais Freeman. IRL, bravo, parce que quand même il habite au Québec et toi je crois que tu viens de France, c'est que t'es fort. Aussi long, c'est que c'est vraiment une grosse coïncidence. Ah, il y a le trésor. Je vais attendre parce qu'il y a le robot qui passe à côté. J'aime pas ce robot là. J'aime pas ça du tout parce que je sais pas s'il peut me détecter. Oui, il m'a détecté! Ah, merde! Merde, 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 et je suis mort. Et voilà, et voilà. Avec toutes les conneries, voilà. Bon, c'était évident. C'est pas grave. À deux pas du trésor. Oui, IRL, c'est une expression qu'on utilise souvent en France pour dire. En fait, en vrai, quoi. Et on a des expressions françaises. Enfin, on a des expressions françaises. On a des expressions américaines, des fois.
On n'utilise pas nos expressions françaises. Mais si tu... J'ai vu un document il n'y a pas très très longtemps sur l'Académie française qui essayait de transformer ses expressions américaines en expressions en français. Et c'est vraiment ridicule. Donc du coup, je pense finalement que c'est bien mieux d'utiliser IRL que je sais plus ce que c'était. DLVV, voilà, dans la vraie vie. En français, on serait censé dire, au lieu de dire IRL, on serait censé dire DLVV. Je sais pas si vous dites ça au Québec, DLVV. N'empêche, ce serait marrant. Bon, lui, il va me faire chier, donc du coup, je vais le tuer. Tu es mort. Ouais, j'ai dit que t'étais mort. Mais... Il me donnait des coups alors qu'il me tapait pas. Ouais, bon, t'es quand même mort. Allez. On recommence. Alors, on a le drapeau, mais on n'a pas le second truc qui doit être le trésor. Il doit y avoir un truc dans la malle au trésor. Tu viens de retrouver tous les objets que contenait ton inventaire. Donc, quand on aura ce qu'il faut, on pourra partir. Mais on s'est fait repérer tout à l'heure. Tant pis, mais. Allez, éléphant, barre-toi. Voilà. On active. Et c'est parti, on y va. On retourne dans le musée. On n'a pas eu assez d'infiltration. D'infiltration. Infiltration. Tout simplement. Angone. Oh non! Oh non, elle est remontée! Ah non, ça c'est dégueulasse. C'est la clé dans le coffre. D'accord. Bon, ben il va falloir que je refasse le tour, de toute façon. Parce que les saligots. Bon, c'est pas grave. Qui ouvrent en dessous de ta maison pour avoir la trompe de Golée et le médaillon de Sendel. Ok, voilà. Et oui. Oui. Je me souviens de la légende qui disait qu'il avait la clé qui ouvrait en dessous. Ouais. T'as bien fait de me rafraîchir la mémoire quand même parce que c'est... qu'est-ce que je veux faire? Ouais, il faut que je repasse ça. T'as bien fait de me rafraîchir la mémoire parce que c'est vrai que j'avais oublié tout ça depuis un mois. Allez hop, ressort mon petit. Est-ce que l'alarme est toujours déclenchée ou pas du coup? Je crois pas, hein. Enfin, si elle est déclenchée encore, c'est quand même... Ils sont vraiment débiles, hein. Voilà, elle est plus déclenchée. Bon, c'est pas très très grave. Donc on refait tout le pataquès. Apparemment, il y a eu un cambriolage. Les visites reprendront plus tard. Oh, quel dommage. Allez, on s'en fout. Mais vraiment, on s'en fout complètement, quoi. La trompe de Goldé, oublie pas dans le désert de la feuille blanche. Oui. Tu me disais tout à l'heure, je me souviens. Hop, bug. Hein. Je me disais, tu me disais plutôt que la trompe, voilà, il faut la trompe de Golée dans le désert de la feuille blanche pour avoir la carte bleue, c'est ça? Et sur l'île que tu es présentement, ok. J'oublierai pas. Je récupère là la clé. Je vais en bas chez moi. La roche va se mettre à voler et à l'autre bout, tu dois faire un trou dans le mur. La roche va se mettre à voler? Ouh là là. Dis donc, ça m'a l'air vachement... Attention le serpent. Je vais devoir combattre le serpent ou pas? Non, c'est bon. La roche va se mettre à voler et à l'autre bout... Et à l'autre bout, tu dois faire un trou dans le mur. Tu mets une drapeau pirate sur ton bateau pour pouvoir aller à l'île de la Rébellion. Ouais, ça c'est ok. Ça c'est bon. La clé dans le coffre qui sert en dessous de la maison pour avoir les deux trucs, la trompe et le médaillon. Et la trompe, je vais l'utiliser dans le désert de la feuille blanche pour aller récupérer la carte bleue. Et sur cette île-là, il y a une histoire de roche que tu m'as dit. Donc du coup, je pense savoir où c'est. Je crois qu'il y a un petit parc quelque part, un truc comme ça, où il y a une espèce de temple avec des roches et tout ça. Sinon, je me trompe complètement, mais c'est pas très très grave. Je vois ce que tu veux dire. La roche qui vole dans la partie de la carte à droite du musée.
D'accord. Ok. La partie à droite du musée. Je regarderai quand je serai sorti du musée, finalement. Parce que là, pour l'instant, je suis toujours pas rentré. Parce que je me suis fait avoir par le robot. Enfin, par moi qui ai bougé, tout simplement, pendant que le robot était à côté. Je me suis mis sur la mauvaise pierre en même temps. J'aurais pas dû me mettre sur ce présentoir. Donc, j'ai eu peur pour le serpent. J'ai toujours de la vie en fait. Ouais, j'ai toujours de la vie. Ah oui, je suis mort il y a pas longtemps. C'est vrai, j'avais oublié. Allez, on continue, on avance. On est remonté, voilà, on est en mode infiltration, ça y est. On a toujours le drapeau? Oui, on a toujours le drapeau. Ils mettent plus de musique. Bonjour, je suis venu vous infiltrer. La chaise qui grince. Est-ce qu'il y avait des trucs? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, il n'y avait rien à voir ici, hein. Donc c'est bien. Ça m'arrange. N'empêche, on est obligé d'aller de désactiver l'alarme d'un musée et d'aller le cambrioler pour pouvoir continuer la quête, hein. Tu peux pas visiter un musée qui te l'offre dans la boutique, non? Genre, il t'offre la clé. La clé. Oh putain, ça va me faire chier, ça, je sens. Et voilà, je savais, je savais. C'est bon. C'est bon. Sauvé. Il nous a tiré dessus, mais il nous a pas fait tant de dégâts que ça. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Mets-toi en. Voilà. Donc on est bien, on est bien, on est sauvé. Allez, allez, il faut que t'ailles jusqu'au bateau, faut que t'ailles jusqu'au bateau, faut que t'ailles jusqu'au bateau. T'es arrivé ou pas là? Oui, t'es arrivé. Bouge pas. Ok, c'est bon. On continue.